Les Afro-PN 2023, c'est du 22 au 25 juin. Il s'agit d'un festival annuel qui met en exergue la diversité culturelle, musicale de l'Afrique et de l'Europe, mais aussi cette connectivité entre les deux continents. Pour vivre cette fusion harmonieuse musicale entre l'Afrique et l'Europe, l'Institut français de Lomé et ses partenaires, à travers Togo Créatif, invitent le public à une ambiance éclectique. Yatchege, Akwantu, Songoy Blues, Babel Blues. Et puis, il y a des musiciens d'ici comme Santrino, Stony X, Laura Bazooka, que j'adore. Donc voilà, c'est une programmation qui représente vraiment l'image des Afro-PN et qui est en même temps très intéressante. Et mélanger ces artistes qui viennent d'Europe, mais qui sont issus de la diaspora, avec des artistes de Lomé, je pense que ce mélange permet beaucoup de choses. Ça permet aussi au public togolais de découvrir des artistes sur lesquels ils ne se seraient pas forcément déplacés et de les apprécier. Ils sont une dizaine d'artistes à se produire les 22 et 23 juin à l'Institut français de Lomé, puis les 24 et 25 juin au marché moderne de Kakaveli à Lomé, au Togo. Pour cette première édition, les concerts sont gratuits.